Aujourd'hui, Jérôme Banquetel nous fait partager son expérience japonaise avec des tempuras de langoustine croquantes. Pour accompagner ses beignets bien dorés, il prépare une sauce soja à la coriandre, du chou-fleur finement râpé et assaisonné en condiments, et quelques jeunes oignons enrobés de pâte à beignets et frits. Cela fait une, deux, trois et même quatre préparations différentes pour ce plat. Les candidates vont bien les compter et tout noter pour reproduire au plus près cette recette dont la démonstration commence maintenant. On va commencer par faire un appareil à beignets. À beignets ? Ouais. Donc pour cet appareil à beignets, on a besoin de farine. Farine classique ? Ouais, farine classique. Ok. La levure chimique. On est sur 5 grammes à peu près. Et une bonne bière. Et une bonne bière. Brune, blonde ? On peut, y a pas de choix, quoi. D'accord. Voilà. Donc. En principe, faut pas qu'elle soit. Faut juste l'ouvrir, quoi, au moment. Qu'elle soit bien fraîche, mais. Voilà. Donc, un peu au pifomètre. Hein. Ouais. C'est totalement au pifomètre. Ça, c'est bien, ça, comme recette. Hein. Voilà, c'est terminé. Je peux juste. Voilà la consistance. Voilà la consistance. Un peu nappante au niveau de la cuillère. D'accord. Mais elle va reposer, donc on peut toujours la retravailler une fois qu'on est sorti du frigo. Alors, on va la filmer. Voilà qui est fait pour la pâte à beignets que le chef réserve au réfrigérateur où il peut récupérer les langoustines. Voilà, on va séparer la tête de la queue. Pour notre recette, on n'utilise que la queue. La tête, on peut l'utiliser pour autre chose. Mais pour cette recette, on n'utilisera que la queue. Ensuite, on va préparer les langoustines. On va les décortiquer sans les abîmer. Donc on pince un petit peu le corps au début. Et ensuite, doucement, on enlève anneau par anneau. Voilà. Là, on sent qu'on a épluché un paquet, non ? Des années. Voilà, on va juste garder pour la cuisse, pour la présentation et la cuisson, la queue. Voilà. Bien sûr, ça a l'air facile quand le chef le fait. Bien évidemment, les concurrentes doivent se méfier de ce geste technique qu'il faudra reproduire avec trois autres langoustines. Bon, c'est sûr, vous allez mettre un peu plus de temps que moi. C'est ça. Et le boyau noir, là, qui a... On va l'enlever. Okay. Voilà. Pour l'instant, la première étape, c'est décortiquer. On s'y connaît, là, dedans. Ouais. Hein. Non, même pas. On a une pro, là. Alors, comme on va parler du boyau tout à l'heure, on va l'enlever. Faites petite incision. Voilà. Et avec la pointe du couteau, on va la chercher. Voilà. Le boyau à enlever, c'est vrai que je me dis, il va falloir être précis, pas déchiqueter ce joli produit. Et ne pas passer pour autant trop de temps sur cette première étape, car il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, après avoir filmé et réservé les langoustines au réfrigérateur, le chef va travailler l'aspect croustillant de son plat, avec les feuilles de briques qu'il récupère. Bon, on va juste parler de la difficulté, c'est maintenant. Ah. C'était très simple jusqu'à présent. Donc on a la feuille de briques. On essaie de ne pas la prendre pliée. C'est pas... Vous allez voir, pour le taillage après, il vaut mieux prendre des feuilles étalées. Des feuilles pliées. J'en ai quatre à faire. Alors, on va partager en quatre. Alors, il va falloir faire des petits carrés. Ce qui va donner le crunchy sur la langoustine. Bien sûr. Donc on peut aussi éventuellement, si on est un peu feignant à la maison, prendre des céréales du matin. C'est ça.
Ouais, avec le poulet croustillant, ça fait... C'est ça, ça marche avec les langoustines. Oh, mais Lily, là, vous avez fait un stage commando, là, de cuisine ou quoi? Pas du tout. Donc, que ça soit pas totalement régulier, c'est pas... Passez pas tout votre temps dessus. Par contre, faut que ça soit un esprit concassé, quoi. Attention à ne pas vouloir faire trop bien, car il faut tout découper. Et cette étape est là encore gourmande en temps. Voilà. Voilà, donc ça on met au frigo. Et on va attaquer un peu de cuisson. On va préparer. On va mettre à fond. Voilà. On va mettre un peu de... Bien salé. Sel. On va commencer en même temps à faire une sauce, le beurre de soja, donc la sauce soja, qu'on met dans le récipient. Et on va y ajouter un peu de coriandre fraîche. Donc c'est une sauce soja sucrée. Hein. Salée, c'est... Ah, c'est important ce que tu dis. Sauce soja sucrée. Ouais. On va lui redonner le peps avec le citron après. Voilà. Et c'est pareil, on va mettre feu doux là par contre. Une casserole d'eau et un fond de sauce soja sont maintenant sur le feu. Le chef découpe des oignons nouveaux dont il utilise aussi bien le blanc que le vert. Pas de gâchis. C'est vrai, quand on parle d'oignon, on va utiliser l'oignon et là on utilise la tige en fait. Et bah, c'est super d'utiliser en fait toute la partie en fait de l'oignon. Et on va faire le chou-fleur en même temps. Le but, c'est qu'on va faire une petite semoule, donc on le sort en grosse sommité. Et on va travailler avec la mandoline japonaise après pour prendre juste en surface le chou-fleur. Ouais. Les légumes sont réservés et le très aimable Christophe Michalak récupère les ingrédients au réfrigérateur pour les fameuses tempura ou beignets de langoustine. On a besoin donc des langoustines, l'appareil à beignets et la pâte à briques. On va la retourner. On prend la langoustine et on badigeonne. Alors on badigeonne avec la pâte. Ouais. Ouais, très finement. Une seule fois ou tu repasses une deuxième couche? Non, une seule fois. Les quatre queues de langoustine sont ainsi badigeonnées de pâte à beignets. La deuxième couche, ce sera la panure de briques découpée. Voilà. Maintenant. On va aller voir l'excédent tout à l'heure, juste au moment de frire. Vous avez vu cette délicatesse? C'est magnifique. Voilà. Les langoustines sont prêtes à frire. Le chef revient maintenant sur les légumes. Les jeunes oignons sont plongés rapidement dans la casserole d'eau bouillante et salée. C'est juste pour, comment dire... Juste pour, comment dire... Les attendrir un petit peu. On va attendrir, voilà, parce qu'on va les frire après. Mais ça, ce sera pour plus tard. Tout de suite, le chef réalise quelques petits blinis. Pour son plat? Non, juste pour vous montrer qu'en cuisine, rien ne se perd. Et que sa pâte est délicieuse aussi en mini crêpes soufflées, à déguster avec ce que vous voudrez. On vous l'a dit, le chef 2 étoiles a toujours de bonnes idées pour éviter le gaspillage alimentaire. Je sens qu'on va bien manger à la cantine aujourd'hui. Hein. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est le test. C'est comme la crêpe, la première, elle est la bonne. Pour être breton, je le sais. Donc pas mal de beurre quand même pour pouvoir le décoller facilement. Mais on voit bien, on voit la levure chimique qui fait son œuvre. Ouais. C'est pas tes premiers blinis, toi. Tu blinis à la maison, en 3 minutes, c'est fait. Voilà. On va les saler en fin de cuisson. Parce que vous avez vu, j'ai pas salé du tout l'appareil.
Voilà. Après l'astuce anti-gâchis, le chef revient à sa recette. Sauce soja, tempura de langoustine et oignons bientôt frits. Il manque encore un petit quelque chose à ce plat, le chou-fleur. Et les candidates déjà anxieuses sont ravies d'apprendre qu'il faut le travailler à la mandoline. Le chef râpe délicatement la surface des sommités. Chou-fleur en surface. Une épaisseur à régler. Très fine. Très fine. Ouais. C'est pour vraiment, quand on va voir mélanger, assaisonner, on a l'impression de faire une semoule. Après avoir ainsi râpé deux sommités, le chef assaisonne le chou-fleur. Donc l'assaisonnement se fait avec la coriandre poudre, la fleur de sel et l'huile d'olive. On met le sel. Juste une pincée. Une pincée, ouais. La coriandre. Alors, c'est pareil. Hein. On n'abuse pas d'huile d'olive, c'est juste pour lier légèrement. Un petit zeste de citron vert et le chef retourne à la sauce soja qu'il va monter avec du beurre. Beurre monté, quoi. Ouais, faut pas que ça soit trop chaud. Ton beurre sort du réfrigérateur ou est à température ambiante? Là, il est un peu en température ambiante. Faut pas que ça soit trop chaud non plus. Non, on y arrive. On va pouvoir se préparer. Quelques coups de fouet encore et le chef peut passer à la cuisson et frire oignons et surtout baigner de langoustine dans une friteuse à 160 degrés. Donc on plonge délicatement. Ouais, 160 degrés. Si on va trop vite, elle va coller à la grille au fond et pour décoller, c'est pas possible. Regardez cette poésie. Bronzage juillet sur la Côte d'Azur. C'est ça. Mais pas août. C'est pour ça que la température est importante, parce que donc, si on va trop fort, elle va colorer tout de suite, mais elle va pas cuire. Et... Donc on sale dès la sortie de la friteuse. Ouais. C'est au tour des oignons de passer dans la friteuse après un bain rapide dans la pâte à beignets. Quelques secondes suffisent. Ouais. Le même principe, on assaisonne. Faire le dressage. Ça sent le dessin, là. Bien comme c'est. Alors, les dressages de Jérôme Banquetel sont toujours très précis, les filles. Après le chou-fleur, le chef ajoute quelques brins de coriandre pour leur fraîcheur et leur couleur. Donc là, on trempouille.
C'est ça. On trempouille et on finit la sauce dans la semoule. D'accord. Voilà, et c'est de toute beauté. Ah, et le détail qui tue, mais qui est important. Petit regardez-moi cette assiette. Un chef-d'œuvre. La classe, incarnée. Magnifique. Au visuel, c'est très classe. Et l'avantage, c'est qu'on avait aussi l'odeur. Et alors là, le visuel et l'odeur ensemble, pff, au top. Quand je vois cette recette, je me dis qu'elle a l'air délicieuse, certes, mais à préparer, je pense pas que j'ai tiré le gros lot. Et je me dis surtout que voilà, je vais faire de mon mieux, mais effectivement, toutes les préparations, ça me fait un peu peur. Ben voilà, on retrouvera cette recette sur France2.fr. Ouh, quelle belle semaine! Merci beaucoup. Allez, les filles, à vous de jouer maintenant.